Et Salut toi, comment ça va? Bon, une petite vidéo pour te présenter mon chat de soudure que je viens de fabriquer tu vois, avec un petit support euh, multiple un peu euh, pour tous les usages. Voilà, bon, je te partage mon expérience, mon retour, ma création. Et euh, si tu as quelques conseils à me donner, n'hésite pas à en discuter en commentaire. Ce sera un plaisir d'échanger à ce sujet là. Allez, je te fais un bon visionnage. Alors déjà pour commencer, je me suis fait un petit plan, tu vois, où j'ai pris le, la taille de mes postes que ce soit le mig, l'arc, également la taille des bouteilles de gaz et un peu de tous les supports que je vais mettre à l'intérieur. Donc j'ai fait un schéma approximatif, tu vois. Alors pour la structure en acier, je suis parti sur du tube carré de 25 mm par 25 et puis du 2 mm d'épaisseur. Voilà, avant de découper bien sûr, je viens bien le serrer dans mon établi. Et là, je vais me faire des coups. La, la première partie, donc un rectangle qui sera en bas. où je fais des coupes à 45 degrés. Mon chariot va faire 77,5 cm de long. Voilà. Donc je fais les découpes. 45. Petit, petit, petit repère à 90 pour pouvoir couper bien droit. Alors, j'ai testé récemment une scie circulaire à métaux. Je t'invite à découvrir la vidéo. Je te mettrai un lien dans la description. Voilà. Donc, pour mon cadre, j'ai coupé quatre morceaux. Et bien sûr, je vais venir ébarber tout ça avec mon petit disque à lamelles, alors tu vois la petite meuleuse x -Lock, elle est sympa aussi, bon après les consommables sont un peu compliqués à trouver mais bon voilà, une fois que j'ai découpé tous mes aciers, donc tu vois il y en a tout un tas sur l'établi je vais venir prendre mon cadre, et le coincer à l'aide d'un équerre sur mon établi, vérifier que tout soit d'équerre partout à chaque fois et pour être sûr d'être au top, tu vois je vais venir mesurer chez les deux diagonales être sûr qu'elles fassent exactement la même longueur, donc tu vois là j'ai 87 cm d'un côté et de l'autre donc là, c'est bon, je suis parfaitement d'équerre. Je vais venir tout pointer dans un sens. Retourner ma pièce. La rebloquer dans l'établi et puis la repointer. Et je pourrai ensuite la souder. Bien sûr, pour la propreté, un petit coup de disque à lamelles pour poncer les soudures, histoire que, histoire que ce soit plus joli quand même avant la peinture. Je vais refaire encore un plateau, un peu le même principe. Celui-là sera un peu plus petit, parce que je ne sais pas si tu as vu sur mon plan, en fait, le plateau du bas est plus grand que celui du dessus. Et en fait, je vais faire un peu... Euh, un avant de chariot qui sera un peu en biais c'est juste pour le design il n'y a aucun aucun intérêt spécifique euh, voilà ou peut-être pour avoir même peut-être légèrement un meilleur accès aux parties du bas donc sur la partie du bas en fait du coup je vais souder mes montants dessus donc je commence par les repérer donc, en fait, à l'arrière, tu vois, la, la, la partie gauche, ce sera l'arrière, le côté où il y a la, la, mon petit aimant à 90 degrés. Alors, j'ai laissé la taille pour une bouteille de gaz. Donc, la bouteille de gaz que j'avais, moi, mesurait 15 cm de diamètre. Euh, voilà pourquoi j'ai pris cette mesure-là à cet endroit. Ensuite, je vais vérifier, du coup, vérifier que tout est bien d'équerre par rapport à mon, mon plan de travail. Pour pouvoir souder ça, je vais souder le deuxième pied. Pareil, je vérifie l'écarrage, l'entraxe en bas et en haut. Entre les montants, être sûr que j'ai les mêmes mêmes dimensions que tout soit quand même vraiment droit. Et je vais pouvoir venir souder et pointer tout ça tranquillement. Je vais venir souder mon plateau du haut, tu vois. Donc là les petits petits équerres d'angle Wolfcraft, euh, ils sont quand même super pratiques parce que du coup, ils résistent à la chaleur, ils sont super costauds. Donc tu peux vraiment mettre de la charge dedans. Et puis là tu vois, bah, je me rends compte qu'en fait il euh, bah, y en a un qui passe pas dans un sens, donc il va falloir que je le démonte pour me mettre dans l'autre sens parce que tu vois, il y a un petit pied coin truc en coin qui fait que tu bah, ne peux pas le mettre à l'intérieur, donc obligé de le mettre à l'extérieur. Je les ajuste. Et voilà. Je vérifie quand même que les, la, les, la hauteur devant soit la même que derrière. Et je vais pouvoir venir pointer tout ça également. Donc, je vais même souder en fait. Là, des fois, Alors là, je vais m'occuper de la partie dedans. Justement qui Et même du coup, j'ai même prendre un morceau d'acier que j'avais une chute là, et je vais le tracer directement parce que c'est des angles quand même un peu bâtard. On va découper ça, le positionner. Donc moi j'aimais bien ce côté un peu un peu de travers devant. Je trouvais que c'était un peu plus sympa, tu vois. Puis je vais pointer ça. Donc d'un côté, puis mettre l'autre côté. Vérifier à chaque fois aussi que tout, euh, au fur et à mesure du projet, que tout est bien d'équerre, que tout est bien aligné, que les... Enfin voilà, tu comprends ce que je veux dire. Quoi. Donc moi c'est un projet qui m'intéressait beaucoup parce que bah, j'ai que le goût, maintenant j'ai trois postes à souder, plus les bouteilles de gaz, ça faisait un peu de bordel partout. Euh, voilà, j'aime bien quand tout est rangé, que tout est accessible et au même endroit. Donc là je vais commencer à faire les supports du plateau de l'étagère intermédiaire. Donc je vais souder des tubes de 25 par 25 euh, tout autour, en ayant pris comme repère ben, le, mon établi qui était plan. Je vais prendre de la tôle qui va faire office de fond d'étagère. Donc là c'est de la tôle. Je trouve j'ai peut-être pris un peu trop fin. celle là fait un millimètre d'épaisseur. C'est euh, quand même voilà. C'est euh, du coup je vais la, la découper, les barber aux dimensions du support. La présenter, donc là tu vois, c'est le dessous du chariot. Et je vais la souder du coup avec mon petit mig là. Juste pointer les bords tous les euh, quelques 4, 5, 6 cm approximativement. Tu vas faire des, des petits points un peu partout. Vous des petits points, des, des gros points, des petits cordons quoi. Et l'étagère du milieu, en fait, vu que j'ai pas mis de renfort sur l'avant, je vais venir juste le plier. Donc j'ai découpé un petit, j'ai essayé de passer un petit morceau. Je viens bloquer ma tôle dans l'établi puis à l'aide d'un marteau, je vais tapoter gentiment jusqu'à vraiment réussir à le plier le mettre complètement d'équerre. Et tu avec le marteau, ça vient tout seul. Et là on aura un truc qui va être propre. Donc là le chariot est toujours à l'envers, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit retour vers le bas. Et en fait le poste à souder qui sera dessus, ça sera mon multi-procédé, je t'avoue, qui pèse pas loin de 10 kg plus 5 kg de fil à l'intérieur. Euh, ça fait un peu lourd, alors comme ça j'ai pas besoin de le lever par-dessus un montant. Ouais, et puis je continue du coup comme la plaque du bas je pointe. Donc là j'ai décidé de souder des sortes de mousquetons de, dessus pour pouvoir maintenir mes sangliers mes bouteilles de gaz sur le chariot. Comme ça ça pourra toujours euh, se tourner et euh, voilà, avoir une meilleure, un meilleur serrage au niveau des bouteilles de gaz. C'est vraiment un truc et bouteilles de gaz, j'ai pas envie qu'elles tombent parce que je compte laisser les détendeurs dessus. Ce euh, serait dommage que ça vole dans tous les sens, donc c'est pour ça que j'ai préféré les fixer au maximum. Là je vais venir souder une petite poignée de chariot. Donc en fait, les bouteilles de gaz là seront juste dessous. Et y viser des roues. Donc euh, je, je visse au niveau de mon cadre de 25 par 25 avec des petites vis autoforeuses. Je pense que ça va le faire. Là, les roues résistent à une charge de 100 kg chacune. Euh, je crois qu'on est large. Voilà, donc euh, je vais commencer à, en, à en mettre tout mon matériel dessus. Alors, c'est pas t'inquiète pas, pas c'est normal, mais c'est pour pouvoir du coup remplir l'emplacement de toutes mes choses. Donc là, pour la partie électricité, je vais découper une tôle. Je vais avoir une boîte plexo dans laquelle je vais brancher toutes mes prises, les raccorder pour avoir un seul câble à brancher. Alors du coup, je découpe ma tôle. Je vais venir repérer l'emplacement de tous les endroits où je vais voir venir mettre des autoforeuses. Euh, pour vu qu'il y aura le manche devant, ça va être... La poignée devant, pardon, ça va être un peu compliqué. Donc je vais percer... L'endroit de toutes les autres foreuses, bien sûr, plus plique la taille que la vis. J'ai pris des vis de 4,8 mm, donc là j'ai percé à 4 mm. Il y aura une assez bonne fixation au niveau de la vis, mais moi ça va me permet de les enfoncer plus facilement. Et je vais même faire des trous en bas un peu plus gros, tu vois, pour passer des serflex pour venir vraiment tenir mes câbles qui soient vraiment bien correctement et qui soient passés correctement et que ça soit vraiment propre. Voilà, tu vois quel résultat j'ai envie de faire au final à peu près. Donc je ressoude après ma plaque, cette plaque sur mon chariot. Tu vois c'est pour ça qu'il était pas peint tout à l'heure, on va souder plein de choses dessus. Euh, voilà, euh, je vais me faire un petit support pour mon marteau. Bon, comme ça il sera toujours rangé dessus et rangé facilement sans avoir à se baisser. Des supports pour les torches du MIG. Donc c'est juste un bout de tupaille, 25-25, la buse elle rentre pile poil dedans, c'est nickel, tu peux la rentrer, elle sera protégée, euh, éviter que ça fasse plein de trucs avec le chaude et tout ça. On est vraiment au top, donc juste un bout de tube qui est coupé à 45 degrés d'un côté. Là, je vais faire un petit support pour toutes les torches arc et pour les pinces de masse. Donc, juste un bout de fer plat de 25 mm que je vais venir juste cintrer tout bêtement et souder sur mon chariot une fois qu'il sera correctement positionné. Après voilà, j'ai plus qu'à poser tout dessus comme ça, bêtement. Et euh, sur le côté, donc, je vais me fixer deux petits colliers, tu vois, donc un petit... Je fais, près perce un prêt trou petit autofose avec un collier, tu vois, c'est les colliers pour les fixer tes tubes PVC, donc un tube PVC là, 232, dans lequel je vais venir ranger mes baguettes pour le TIG. Comme ça, c'est pareil, ils sont toujours à proximité du chariot, elles sont rangées, elles ont leur rangement, euh. Euh, Je me suis aperçu que mon câble de... Mes, mes câbles, mes torches... Pour rapport à mon multi-procès, il était super long et traînait par terre, donc j'ai juste fait un petit support en plus. Et là, pour euh, mon TIG qui lui est fixé de l'autre côté, c'est pareil, un petit truc. Donc là, j'ai tout, tout, fait tout ce que je pensais avoir fait dessus. Euh, pour être vraiment au top. Si tu as des idées, comme je te disais, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Je passe un petit coup d'acétone pour nettoyer, dégraisser et dépoussiérer mon chariot. Voilà. Et on va pouvoir passer ensuite à la pantoule. Donc pour la peinture, je suis parti sur le pistolet à peinture de chez Works, que je suis actuellement en train de tester. Donc je te ferai une petite vidéo dessus si cet outil peut t'intéresser. Donc n'hésite euh, pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications, comme ça tu pourras voir cette fameuse vidéo. Comme la vidéo de la scie circulaire sous table par exemple. Et voilà, donc je peins. Donc, euh, voilà. donc j'ai pris une peinture noire mat. somme me beauté bien, mat, euh, noir mat, mat bricole. J'étais un peu obligé quoi de faire ça, tu vois. Et on va laisser ça, laisser sécher tout ça. Et une fois ça sera sec, on va pouvoir passer à l'élec. Donc je fixe ma boîte plexo, mes trois prises. Donc j'ai pris des prises étanches bien sûr par rapport à la poussière et tout ça. Je vais venir câbler mes trois prises et les raccorder dans ma boîte plexo. Et en fait dans ma boîte plexo, il y aura un câble qui sera colsonné bien sûr sur mon chariot, qui fera 5 mètres de long avec une prise au bout. Il ne faudra pas que j'allume mes trois postes en même temps. Ça c'est clair que là ça va poser problème. Mais ça m'évite d'avoir à débrancher, rebrancher mes câbles, mes postes à souder en permanence. Euh, voilà. Et comme je te disais, du coup, le petit colson qui va venir, mais les petits trous pour les colson qui vont venir en m'aider à maintenir mes câbles, éviter que les câbles puissent se débrancher ou s'accrocher quelque part et que ça fasse plus propre. Maintenant, on va passer à la mise en place et à l'installation de tout. Donc, je vais mettre mes deux bouteilles de gaz. De 15 cm avec celle que j'ai, ça passe pile poil. C'est des bouteilles que j'ai achetées sur Amazon. Alors n'hésite pas à regarder dans la description, je te mettrai des petits liens. Je vais monter mes détendeurs et installer mes postes à souder. Alors celui-là, il a deux bouts C'est un multi-procédé, donc il fonctionne avec de l'argon que je suis en train de manger actuellement donc pour le TIG. Donc c'est du TIG Lift sur ce poste soudé-là. Et il y a également une bouteille d'argon CO2 pour la partie mag. Comme je disais, mon câble est un peu trop long, j'ai fait un petit crochet pour repasser par-dessus. Et je vais pouvoir installer tous mes câbles. Alors je t'avoue, je me déteste les câbles qui traînent partout. Donc là, avec trois postes à souder, euh, dont un multi procédé, c'est un peu vraiment galère. Tu as vraiment des câbles dans tous les sens. Euh, au moins là, je vais pouvoir bouger un peu partout. Je vais brancher tous mes postes à souder, tu vois, donc pour éviter d'enrouler tous les câbles qui surchauffent. Je les passe jusqu'en bas du chariot. Je repère ma prise, savoir quel poste correspond à quelle, euh, quelle prise. Tu vois, donc mon MIG, mon multi procédé et mon poste à l'arc. Je vais venir fixer mon tube en PVC, donc du 32 mm. Il met mes, mes, enfin, mes, mes baguettes de mig. Ranger mon petit marteau dedans. Et en bas, j'ai de la place pour ranger mes baguettes d'électrode supplémentaires. Tu vois, j'ai mis les petits bouchons des bouteilles, des bombes, mon masque, enfin, tous les petits consommables que tu veux. Et à côté de mon petit procédé, j'ai pile poil la taille de pouvoir faire passer des baguettes de soudure pour pouvoir éviter d'avoir évité à trop me baisser lorsque je suis en train de m'en servir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas je t'invite à t'abonner, laisser un petit commentaire, ce serait sympa d'échanger autour du sujet, moi j'adore la soudure. Et également, donc du coup, pense à t'abonner, activer la petite cloche des notifications, laisse un commentaire, lâche-toi sur les likes. Je t'invite aussi à découvrir d'autres vidéos que j'ai réalisées, comme la fabrication de mon établi que tu as vu depuis le début de la vidéo, qui est juste derrière là. Euh... Voilà, bon, en attendant, je te souhaite une très bonne journée. Bonne année 2023, je te fais la bise. Ciao, ciao